Laisse tomber, c'est plus l'heure d'agir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, au début de la descente, j'ai mis le pied où il fallait pas. Faut dire que j'étais pas vraiment concentrée, je me demandais un petit peu où t'étais passée. Et tu faisais quoi si c'est pas indiscret, bien sûr? D'elle, eh ben Estelle s'est cassée la cheville. Non, c'est juste une foulure, Mima. Oui, ça empêche que tu traînais encore une fois avec Nina alors que tu devais me rejoindre. Oui, je... Son père! Après tout ce qui s'est passé, tu peux quand même comprendre que j'ai pas envie de vous voir fourrer tout le temps ensemble. Et elle dans la vie, hein? Le monde tourne pas autour d'elle. Mima, j'aimerais assez que tu t'occupes de tes affaires, s'il te plaît. Merci. Rudy, j'en ai marre. Vraiment marre. Oui, bah moi aussi. Parce que Nino, elle se regarde pas le nombril, elle peut être. Les ravisseurs demandent... C'est tout. Excuse-moi d'avoir oublié. Rudy m'a dit pour ton père. Je voulais voir comment t'allais. Pas terrible. Mais je tiens le coup. Et ta mère? Ma mère, elle est rentrée tout à l'heure de Paris. Je crois que son voyage a servi à rien. Rudy m'a aussi parlé de la demande de rançon. J'aimerais pouvoir t'aider. C'est gentil, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à... Je vois pas pourquoi des gens qu'elle a pas vus depuis des années donneraient de l'argent pour sauver l'ex-mari de leur... Ça peut prendre 3-4 jours le temps de débloquer l'argent. Estelle, je suis vraiment touchée. Surtout après ce qui s'est passé. Je lui dis pas que c'est facile pour moi, mais j'essaie de faire la part des choses. Nino m'a dit pour la rançon. C'est généreux d'avoir proposé l'argent de ton grand-père. Ah, c'est sincère, j'ai vraiment envie d'aider Nino. Tu lui en veux? Mais enfin, ce qu'elle vient en ce moment, c'est bien au-dessus de mes petits problèmes. En tout cas, et moi aussi j'ai été très touché. Vu ce qui s'est passé ces derniers temps. Ouais. Pour être honnête, j'ai réfléchi un moment avant d'aller la voir. Qu'est-ce qu'elle fait pencher la balance?